Salut à tous, c'est Matt Lunch. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Là, ça fait à peu près deux semaines et demie que j'ai pas sorti de vidéo, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, je vous ai prévu une vidéo, mais c'est plus une vidéo, c'est un film carrément. Se faire passer pour un Qatari. Vous vous dites comment il va faire? Il est pas bien en Qatari, qu'est-ce qui se passe, etc. Je vais tout vous expliquer, les gars. Mais bombardez-moi la barre des likes, c'est très important. N'hésitez pas à exploser la barre des likes pour cette vidéo, les gars. Si vous voulez un épisode 2 ou une autre vidéo dans ce genre et que vous avez kiffé le concept et tout ce qu'on a pris avec, bombardez-moi la barre des likes. Je veux vraiment que vous pétiez le score. Abonnez-vous aussi si c'est pas encore fait. Active la cloche aussi. Pour cette vidéo, les gars, fallait employer les grands moyens et qui dit grand moyen dit limousine, obligé. On a pris cette limousine juste ici, un Hummer The Terminator. Plus gros, tu trouves pas. Cette vidéo, elle est sponsorisée par Lux Limousine. Donc, je vais vous en parler juste après la vidéo. Mais d'abord, accueillons juste ici notre émir du Qatar. En présence de la sécurité et de l'émir en personne. Voilà. Il vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Voilà, beaucoup de likes, il a dit l'émir. Elle vous fait un bon voyage jusqu'ici à Metz pour cet après-midi avec nous. Ok, il a dit qu'il y avait beaucoup d'heures de vol, mais bon, arrivé ici dans cette limousine de luxe, il se sent plutôt bien. Comme je vous ai dit, je remercie Lux Limousine d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est grâce à eux que l'émir présent ici peut se balader dans une limousine de luxe, donc un Hummer The Terminator. Vous n'avez pas besoin d'être un émir pour louer une limousine, je vous le dis tout de suite. C'est à partir de 25 euros par personne que vous pouvez louer une limousine. Faire un événement avec vos potes, il y a une grosse soirée, il y a un mariage, il y a un enterrement de vie de garçon. Vraiment, vous pouvez tout faire. Même ceux qui veulent divorcer, vous voulez louer une limousine, c'est avec Lux Limousine que ça se passe. Et en plus de ça, vous avez la bouteille or avec les paillettes en or 24 carats, si vous avez compris, dans le forfait. Donc vous pouvez kiffer avec vos potes. Tous les liens seront en description. Vous avez le site internet, vous avez le Facebook, le numéro même WhatsApp pour contacter directement sur WhatsApp pour ceux qui sont intéressés. Lux Limousine, les gars, ils ont le plus grand choix de limousines dans tout l'Est. Je vous affiche là à l'écran tous les véhicules qu'ils ont, c'est un truc de fou. Il n'y a pas besoin d'être millionnaire, les gars, vous pouvez kiffer, prendre la limousine avec vos potes. Cette limousine, j'ai jamais vu un truc aussi grand et aussi beau, intérieur, extérieur, il y a tout. Et en plus de ça, les gars, bien sûr, avec le code BATFLUNCH, vous avez moins 10% sur toutes les prestations de Lux Limousine. Vous avez tous les liens dans la description, les gars. Allez-y, bombardez-les d'ajouts, je compte sur vous, donnez-leur la force et montrez-leur qu'on est présent, que vous avez kiffé la vidéo. Bonne vidéo. Une place nettoyée pour l'émir, si possible. Là. C'est propre. Pas de colis suspect en dessous. Attends, fais la vérification en dessous s'il n'y a pas un colis suspect ou quelque chose. Regarde en dessous de la table, on sait jamais, regarde. C'est bon. C'est bon. Non, mais on sait jamais parce qu'on doit faire gaffe avec les normes, etc. Un Diabolo fraise et un Perrier pour moi, s'il vous plaît. Merci. Vous avez machine à un atout de Dubaï. C'est ça. Merci bien. Vous l'acceptez, vous l'acceptez. Qui fâche madame Mendes. Il n'y a pas d'alcool, hein, parce qu'il a vu Heineken. Je ne suis pas sûr de l'alcool. Quoi. Non, mais bon, merci. Il faut le servir, l'émir. Wacha Diabolo. Je suis fait alcool. Je suis un message. Qui fâche madame Malouk. T'aimes pas? Il veut que je change. Ah, il trouve ça affreux, ouais. Il a trouvé affreux Diabolo. Il veut quoi, qu'est-ce qu'il veut? Un pêche, je pense, changer de goût. Diabolo pêche, il n'y a pas de problème. Non, tu mets les rings, je touche. Non, c'est bon. Oh, jus d'orange, machin. Non, il veut pas déroger. Ok, pour moi, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a pas de souci, on peut changer. Hein. Ok. Ouais, c'est bon, c'est bon. Sûr, are you sure? Hein? Yes, of course. Hein. No problem for me. Hein. Thank you, my friend. You're fine. 7,20€. Vous prenez pas par hasard les bitcoins, il demande. Non, je connais pas ça. Les crypto-monnaies, non. Par carte, alors, s'il vous plaît. Merci. Ah, c'est fermé, gros. Ils voulaient tout acheter. Bonjour.
C'est pour une demande particulière en fait. Ça fermait à quelle heure? 19h? Non, ça ferme, c'est ça, oui. Ah ouais, parce qu'il était venu spécialement exprès pour Lacoste, c'est pour ça. Parce qu'il voulait acheter un article de chaque, c'est pour ça qu'il nous avait dit de le ramener absolument ici. Et l'espèce? Bah, on peut plus rien prendre en fait. Et demain, vous êtes ouvert? Oui. Et c'est possible de privatiser le magasin pour lui? Parce qu'à chaque fois, il y a les paparazzi qui le suivent, etc. En fait, il vient du Qatar, il vient pas d'ici. Il vient ici pour acheter le club de Metz. Et c'est pour qu'il puisse faire ses achats, c'était pour lui et tous ses enfants. Quoi. Il comptait prendre un article de chaque. Cash Mahanish qui m'a dit, oh là, laisse. Before we're down, ça va fait? Passez une bonne soirée. Merci, au revoir. C'est tout ça, c'est pêché ce matin? Hier, en général, le jour d'avant, et on délivre le lendemain matin. Et il demanderait le prix pour 100 kilos de crevettes. Kilo. Pour 100 kilos de crevettes, ça serait combien? 7500. D'accord. Que vais-je mettre à pitié, bétable et l'euro? Non problème. Et vous avez en stock 100 kilos ici? Non. Et les crabes, 100 kilos de crabes, vous auriez? Non, non plus. De toute façon, il a aimé votre stand. Il m'a dit que si vous voulez prendre commande, ça serait ici, donc je vous tiens au courant, quoi. C'est un émir qui nous vient du Qatar, en fait. Pour un achat à Metz, il voulait un renseignement sur une boisson. Il cherche du champagne halal. Je sais pas si vous faites. Ah, vous faites pas. Et je pense que ça se trouve plus sur Internet, ces choses-là, ou... Champagne halal. Ah, merci quand même. C'est un vrai, il veut acheter le club de Metz. Crédit card ou la cash? Cash. Ok. Bonjour. Excusez-moi madame, on a un émir qui nous vient tout droit du Qatar, il n'est pas d'ici, c'est pour ça. Du coup, il découvre un peu le fromage du coin, etc. Et tout. Et il voulait savoir votre fromage, la spécialité, ça serait laquelle? Terrine à la Mirabelle. Terrine à la Mirabelle. Il demande s'il peut goûter pour le goût. Avec plaisir. Je veux dire qu'il sent une odeur de fromage. Je veux dire qu'il sent la chaussette dans le fromage. Fais mal à Lorraine. Oula, comment c'est le calvaire? Il dit que ça lui rappelle certaines épices aussi. Ça lui rappelle un peu les tagines, un peu façon. Ils disent par exemple, si vous prenez 100 kilos, est-ce qu'il y a un prix? Je n'ai pas 100 kilos. Ah, vous n'avez pas 100 kilos en stock? Ah, d'accord. Et sur commande, on peut commander après? Ok, d'accord. Il dit qu'il va faire goûter le fromage à sa femme. Donc elle nous attend, elle est dans la limousine. Et ensuite, si sa femme aime le fromage, il viendra commander en grosse quantité pour ramener là-bas. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à bombarder la barre de like et à la partager avec vos potes si vous avez kiffé, les gars. Je vous mets aussi la chaîne de l'Alien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner. Il a fait le rôle du Qatari et franchement, je trouve qu'il a assuré. Donc merci encore à lui. Et merci aussi à Lux Limousine, encore une fois, d'avoir sponsorisé la vidéo. Sur ce, je vous laisse avec cette fin de vidéo. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Activez la cloche si t'as pas encore activé. C'était Bad Lunch. Ciao.